Bonsoir Caïs, bonsoir à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition africaine, la première de la semaine. On l'entame avec les dernières provocations signées à El Mahzen, des méthodes antisportives pour tenter de déstabiliser le représentant algérien à la CAF, la CAF qui vient de rejeter l'appel de l'USMA. Le Maroc qui a toujours torpillé le processus de réunification du Maghreb et l'autodétermination du peuple sahraoui. Les médias appuient ce combat et dénoncent la répression sous toutes ses formes dans les territoires sahraouis. Le Niger reprend du poil de la bête, son économie redémarre avec des indices au vert. Les experts prédisent une croissance importante après le départ des troupes françaises il y a quelques mois, lesquelles seront suivies par les JIS dans quelques jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Maroc s'adonne à de nouvelles manœuvres machiavéliques pour tenter encore une fois de déstabiliser l'Algérie. Le Mahzen s'en prend maintenant au monde du sport avec des visées politiques et la cible, c'est l'équipe de football, l'USM Alger, à quelques heures d'un match capital opposant au club marocain RS Berkane. Trois mots pour qualifier ce comportement inadmissible, mesquin, diabolique et provocateur. Des maillots floqués avec une carte du Maroc incluant les territoires sahraouis, c'est politiser le sport et cela va à l'opposé du droit et règlements internationaux. Mahamar Djebbol, bonsoir. Allez en parler avec nous. Mais d'abord, cette dernière info, la CAF qui a finalement rejeté l'appel de la FAF. Il n'y a aucune surprise. La CAF est dans la continuité de la première décision qui avait été prise de sommer la fédération, de permettre aux clubs marocains de pouvoir bénéficier de ces équipements qui, grâce, il faut le signaler, à la vigilance de la douane algérienne, eh bien, ont été bloqués à l'aéroport Houari Boumediene. Pour la simple et bonne raison que ces derniers étaient floqués d'une carte du Maroc avec les territoires occupés du Sahara occidental. Or, la réglementation est très claire. Vous ne pouvez vous déplacer avec un seul jeu de maillots. Il vous faut deux jeux de maillots. Mais les Marocains ont profité d'une situation donnée, à savoir qu'il y a une compétition continentale qui se déroule au Maroc, donc les commissions se réunissent au Maroc. Dans un premier temps, il y a eu cette décision de demander à la Fédération algérienne de football d'intervenir pour permettre aux Marocains de bénéficier de leur équipement. La fédération algérienne, droit dans ses bottes, comme l'Algérie, inébranlable sur des positions claires d'autodétermination du peuple sahraoui, eh bien, ça a été refusé. Il y a eu un recours qui a été présenté, et dans la droite ligne de ce qui a été décidé par la confédération, sans surprise, ces derniers ont demandé que la première décision soit appliquée. En d'autres termes, ils demandent à la fédération algérienne de que les Marocains puissent bénéficier de leur maillot avec cette carte du Maroc, avec les territoires occupés du Sahara occidental inclus. Donc, niette pour la Fédération algérienne de football, on ne changera pas de décision, les maillots resteront bloqués. Mieux, l'USMA d'Alger, dans un élan de générosité, eh bien, leur a donné un maillot avec le drapeau du Maroc. À eux, maintenant, à Berkane, d'accepter ou de refuser. Mais maintenant, je vais revenir sur, vous l'avez dit vous-même, c'est une décision, on veut ramener un match de football sur le terrain de la politique. Ce n'est pas la première fois. Si vous avez une bonne mémoire, rappelez-vous la Coupe d'Afrique des Nations de futsal qu'avait abrité le Maroc. On a intégré un territoire occupé alors qu'il n'était pas prévu. L'Algérie avait boycotté, suivi de l'Afrique du Sud. On continue sur le handball où également les territoires occupés avaient été inclus et l'Algérie avait refusé de participer avec une sanction de la Confédération africaine de handball. Et aujourd'hui, il y a cette affaire de Berkane. Mais là où je m'étonne, ou là où tous les présents, les acteurs du football continental s'étonnent, c'est cette politique de deux poids, deux mesures. Également, parce qu'il faut avoir la mémoire, la finale au Cameroun entre le Raja de Casablanca et la JS Kabylie. À l'époque, la JSK était rentrée avec un maillot floqué en Tamazight, c'est écrit JS Kabylie. Et les Marocains avaient protesté auprès de la CAF. Ils avaient demandé à ce que ce soit retiré. Et la CAF avait une nouvelle fois, eh bien, était allée dans le même sens que l'équipe marocaine. Et on voit toute l'influence aujourd'hui de l'Akcha, le président de Berkane, au niveau de la Confédération. Rappelons qu'il est membre du comité exécutif et qu'aujourd'hui, eh bien, il a toutes les commissions sous sa coupe et il fait la pluie et le beau temps au niveau de la Confédération africaine de football. Mais dans le même temps, ça ne fera pas bouger d'un iota les décisions de principe de l'Algérie sur les questions politiques.
Mais Mamadou Djebbour, il y a une question qui taraude peut-être tous les esprits des Algériens ce soir. Alors, le match aura lieu ou pas? Très simple, à travers ce que je viens de dire, c'est très simple. Soit les Marocains acceptent de jouer avec les maillots donnés par l'USMA d'Alger, le match se jouera, soit ils ne veulent pas, il y a la décision de la CAF. L'USMA d'Alger, même si elle perd le match, eh bien on restera droit dans nos bottes, soutenu, il faut le rappeler, par l'ensemble des clubs du football national et par la Ligue professionnelle de football. Voilà qui est clair. En tout cas, on est face à une manœuvre de plus qui rappelle juste que le Marzen reste fidèle à ses pratiques douteuses qui ont miné par le passé l'Union du Maghreb arabe. Toutefois, d'autres membres comme l'Algérie, la Tunisie ou encore la Libye comptent relancer le processus de réunification. Une nouvelle tentative, même si le nombre total n'y est pas. C'est l'analyse du politologue Kamel Benyounes, contacté depuis Tunis par Rabea Slimani. C'est une nouvelle tentative pour essayer de relancer la coopération partielle puisque le Maghreb des cinq est souvent bloqué. Cette réunion aura comme objet de relancer la coopération politique, sécurité régionale dans une période où on discute de plus en plus avec l'Europe, surtout avec l'Italie, les dossiers de sécurité, y compris celui de la migration clandestine. Il y a la situation en Palestine et la nouvelle guerre par procuration dans la région du Moyen-Orient. Il y aura une position peut-être pour soutenir la position de l'Algérie au Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'état de la Palestine. Certainement, il y aura des dossiers bilatéraux, surtout pour préparer les prochaines réunions. Une coopération sur des dossiers particuliers, mieux qu'un blocage total. Les autres conflits pourraient être résolus s'il y a un processus en cours avec certains pays de la région. C'est mieux dans tous les cas que s'il n'y a pas d'initiative. C'est important. D'ailleurs, en Tunisie, depuis le conflit de 1994, lorsque le Maroc avait décidé de geler ses activités à l'UNA, le président tunisien avait dit qu'il faut alors continuer à deux et à trois jusqu'au jour où on arrive à se réunir à cinq. Voilà un Maghreb à cinq, pas évident. Le Marzen entretient des relations hostiles avec ses voisins, notamment l'Algérie, en raison de sa politique de colonisation et de répression au Sahara occidental. L'Algérie soutient indéniablement la cause sahraoui et les Sahraouis qui n'abandonnent pas pour autant leur combat pour arracher leur autodétermination. Leurs médias appuient ces actions et démarches vers la paix. Ils programment de faire le point dans quelques jours sur l'évaluation de la situation, notamment des droits de l'homme bafoués par l'occupant marocain. Fahd Al Sidi, il est directeur de rédaction de l'agence de presse Sahraoui. Concernant le développement de la question du Sahara occidental, que ce soit sur la scène internationale, sur la situation politique, les droits de l'homme, sur la situation militaire après la reprise de la guerre du 13 novembre 2020, et aussi la situation des droits de l'homme et des ressources naturelles, la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les territoires occupés, et une voie et moyen de renforcer le mécanisme de la presse au Sahara occidental. À travers ces ateliers, les intervenants auront aussi à débattre les voies et moyens de faire des réseaux de solidarité sur la question du Sahara occidental, les voies et moyens de briser le silence imposé au territoire occupé et sur la question du Sahara occidental. Ces intervenants auront à débattre dans tous ces thèmes en relation avec la question du Sahara occidental, sur la situation politique, militaire, humanitaire, que ce soit dans des camps de réfugiés. Et de son côté, la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines a dénoncé aujourd'hui la négligence médicale dont est victime le prisonnier civil Brahim Dadi Ismaili, détenu à la prison Ait Melul 2 du côté d'Agadir. La Ligue dénonce également la politique d'atermoiement pratiquée par l'administration pénitentiaire marocaine. L'actu africain, c'est aussi ses derniers développements au Niger. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce dimanche à Agadez. Dans le nord, elles exigent le départ des soldats américains qui disposent encore d'une base. Des manifestations qui interviennent deux jours après que Washington eut accepté de retirer le millier de soldats américains basés au Niger. Une délégation américaine est attendu au Niger dans les prochains jours pour s'accorder sur les derniers détails du retrait des GIs américains. Avant eux, les soldats français avaient quitté le pays. C'était en décembre dernier et depuis, le Niger renaît sur le plan économique, selon le politologue Adnan Imam.
Pour l'année 2024 en cours, le Niger mise sur un taux de croissance qui dépasse les 12%. Il faut préciser qu'il s'agit là d'une prévision, mais d'une prévision qui se base sur des données objectives. La Banque africaine de développement, par exemple, prévoit également un taux de croissance de cet ordre-là pour le Niger. Il est en rapport, bien évidemment, premièrement, avec le recouvrement de sa souveraineté sur ses richesses naturelles, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la commercialisation de l'uranium, qui constitue une ressource principale, mais aussi avec le pipeline, l'oléoduc, qui transporte le pétrole du Niger vers le Bénin, vers les ports du Bénin, et qui est récemment entré en service. De ce fait, donc, le Niger commence à prendre pied dans le marché des exportateurs de pétrole. Et cette croissance économique avec des indices verts contredit les prévisions de certains États prédateurs. Ce taux de croissance prévu et crédible de l'avis des organismes spécialisés en la matière dame le pion aux États prédateurs, dont principalement la France, qui comptait peut-être sur un désastre économique au Niger du fait de son retrait de ce pays, de son retrait imposé par les nouvelles autorités au Niger qui veulent rompre tout lien avec la France. France perçue comme étant un État néocolonialiste, prédateur de ressources et de richesses, et qui est à l'origine du sous-développement chronique du Niger. Voilà, c'était l'analyse du politologue Adnan Limam, l'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Soudan, des affrontements qui ont éclaté ce matin très tôt à l'aube entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la ville d'El Obeid. Centrafrique, au moins 62 personnes ont péri dans un naufrage sur la rivière Mpoko près de Bangui, la capitale. Le bilan s'est alourdi 48 heures après le drame et plusieurs autres personnes sont toujours portées disparues. Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle aura finalement le 29 juin. Un éventuel second tour est prévu pour le 14 juillet. Et on termine avec du sport cycliste. Cette fois, l'Algérien Diogenef qui a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique de vélo BMX disputé aujourd'hui à Bulawayo au Zimbabwe. Il a brillamment terminé en tête de l'épreuve.